Messieurs, mesdames, bonsoir. Comme prévu, vous pouvez suivre à partir de 20h30 sur Télé-Sahel la retransmission en direct du match France-Bulgarie. Entre autres, voilà de quoi est composé notre programme. À 15h donc, le flash d'information en français. À 19h05, le journal en Zarma. À 19h18, le rendez-vous des petits. Un intermède musical à 19h55 et à 20h, la grande édition du journal télévisé en français. L'édition sera de vue de la retransmission en direct du match France-Bulgarie à 20h30. Après donc la page publicitaire, un intermède musical, vous pourrez suivre la suite du match à 21h30. Cela donc en direct la deuxième mi-temps. À 22h10, le journal en full full day. À 22h25, les nouvelles de dernière heure que nous présentera ce soir Moustapha Tino. Nous le retrouverons tout de suite pour le premier bulletin d'information en français. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le mouvement associatif de protection et de défense des droits de l'homme, ADALTI, condamne l'attitude des représentants du peuple qui ont voté contre le projet d'ordonnance portant création de la commission crimes et abus. Dans un communiqué de presse parvenu à l'ANP, ADALTI demande aux élus du peuple de se ressaisir dans l'intérêt de la nation et de ne pas chercher à se protéger et à protéger leurs biens éventuellement. Le gouvernement nigérien réaffirme son volonté de privilégier une solution négociée à la rébellion Touareg. Les efforts déployés par le Niger pour aboutir à une solution négociée de la rébellion Touareg ne seront pas compromis malgré l'échec de la rencontre prévue le 11 novembre dernier à Ouaga, a déclaré le porte-parole du gouvernement Mokhtar Diallo. Cette réunion avortée devait permettre au Niger, aux trois mouvements rebelles, aux facilitateurs français et algériens, de préciser les modalités d'organisation des futures négociations politiques. Le dossier de la rébellion armée a été au centre des travaux en plénière de l'Assemblée nationale qui a entendu le ministre de la Défense nationale, M. Tairo Amadou, a donné l'assurance aux parlementaires que les forces armées nigériennes occupent toutes leurs positions dans le nord et aucune partie du territoire national actuellement inaccessible. Le ministre de la Défense nationale a précisé que l'armée s'est redéployée vers le sud de la
région d'Iférouane pour protéger les populations en proie aux exactions de la rébellion. L'encerclement de la montagne de Tingalen n'est pas opportun, a-t-il expliqué. La France a accordé une aide financière de 125 millions de francs CFA dans le cadre du projet d'appui au développement culturel. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Enfin, plusieurs étudiants de l'université Abdelmoumouni Diofo de Niamey ont tenu ce matin un sit-in au cabinet du Premier ministre à l'appel de l'Union des étudiants nigériens de l'université de Niamey, UNUN, dans un communiqué remis à l'ANP. Le comité exécutif de l'UNUN demande aux autorités de la Troisième République une amélioration de leurs conditions de vie et d'études. Voilà, mesdames et messieurs, point final de ce flash d'information. Exceptionnellement, ce soir, en raison du match France-Bulgarie qui sera retransmis en direct sur nos antennes, vous suivrez dès 20h notre grande édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en fin de programme. Merci, à très bientôt. Information toujours, mais cette fois-ci en Zarma. Voilà donc, messieurs, mesdames, le journal en Zarma, une présentation de Issoufou Soulé. Arankayam gogatel sigira guna matara almarai wa barkannahu iri labari gina fondarano irgina aranse kan iri labko muhammad usman bi atlata kan foi ana zurayante zurayan edin kate fondara ngano akwai nodni sarusi bambata kanga agoida alkase sanno kanse igne faransi kinaga dire general des impots contribution wa karanga bay gati din gangano abisa gakoi trésor banda abisa gakoi nodini dugunyai sarusi bambata do gati din gangano akoi haro banda dugunyai sarusodo abisa gakoi abiaso dugunyai sarusodo zure ngai kulka iri labko muhammad usmante sabilo ngagaci ngamadidi ngamu matokancine goye gogaga sunda sarusi waydiniara da sandai kango kagagaru hankangaci goye gasandian fandara watokancine iri labko muhammad usman ana zure ngai ban ane labola barasa mukoise kimino alwati wone kara irgo sandai go iri labora hala mandimoso zama maiga asana borakulu tanu maiga asio amana kwara kindi amana sagis kindi amma dawodin kulu iri labize agahima da ngai labiztara ima dahirandi kasikul kangahima da banayang ima bana hankangaki dugunyai kambumo nodini adidingamo sandai kan dugunyai gogadi zama alwati wani kara irgo gine kan yayi igawode gafunda labuwa ne ragada ir labora dugunyai isinda mangasi kan yara igi tefate haligi goygaban gayeti gano koyese zure ngai kan ire Passons maintenant au rendez-vous des enfants. Amis petits, j'espère que vous êtes nombreux ce soir devant vos récepteurs pour Super Crack. Alors, passez un bon moment. Thank you.
Voilà, messieurs, mesdames, en raison de la retransmission en direct du match France-Bulgarie tout à l'heure à 20h30, notre journal télévisé en français vous sera présenté dans quelques instants. Nous retrouvons donc à la présentation de cette édition Hélène Aïka. Messieurs, mesdames, bonsoir. Une édition exceptionnellement avancée et plus courte ce soir. Nous commencerons avec un communiqué du gouvernement relatif au dossier de la rébellion. Une réunion technique prévue le 11 novembre dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso, devait regrouper une délégation du gouvernement, le facilitateur français, un représentant algérien et des représentants des trois mouvements rebelles nigériens. Ces derniers n'ont pas fait le déplacement de Ouagadougou. Nous écoutons le porte-parole. Parole du gouvernement Mokhtar Diallo. Communiqué du gouvernement. À l'invitation du président du Faso, le gouvernement du Niger a dépêché une délégation pour assister à une réunion technique prévue le 11 novembre 1993 à Ouagadougou. Et elle était également conviée le facilitateur français, un représentant du gouvernement algérien, et les délégués de coordination des trois mouvements rebelles nigériens. Cette réunion devrait préciser les modalités d'organisation des futures négociations politiques et marquer la fin de l'étape de facilitation française et le départ de la cellule de liaison installée à Arlit à cet effet. Le représentant de la réunion n'ayant pas effectué le déplacement de Ouagadougou, la réunion a été reportée à une date ultérieure. Nonobstant ce contretemps et le départ de cette cellule instituée d'un commun accord entre le gouvernement, les représentants de la rébellion, les facilitateurs français, la volonté maintes fois exprimée et les efforts déployés par le gouvernement nigérien afin d'aboutir à un règlement négocié de ce douloureux problème national ne seront pas compromis. Fait à Niamey, le 17 novembre 1993. Je vous remercie. Oui, la volonté et les efforts du gouvernement ne sont pas compromis. Néanmoins, ces négociations sont de ce fait bloquées alors qu'elles avaient connu jusque-là une évolution encourageante. Comment en est-on arrivé à ce cage? Maïtourare et Boulama tentent d'en situer les raisons. Les négociations jusque-là prometteuses entre le gouvernement et les trois fronts de la rébellion regroupés dans la coordination de la rébellion armée sont dans l'impasse. En dépit de l'espoir affiché dans les milieux officiels de parvenir à des négociations politiques, force est de reconnaître aujourd'hui que les discussions devant aboutir à cette étape importante du processus de paix sont bloquées. En témoigne l'échec des deux dernières réunions devant regrouper les parties prenantes et les facilitateurs en Algérie d'abord, puis ensuite au Burkina Faso, précisément à Ouagadougou, la capitale, où la rencontre prévu une semaine environ n'a pas eu lieu. En réalité, le bas blesse du côté de deux factions de la rébellion basées en Algérie qui poursuivraient d'ailleurs des exactions dans la région d'Ifirouane où s'est redéployée l'armée. Il s'agit du Front de libération de l'Aïr et de la Zawak de Rissa Boula et de l'armée révolutionnaire de libération du nord du Niger de Ataer Abdelmoumine qui ne sont pas partie prenante à la trêve renouvelée en septembre dernier avec le FLT, le Front de libération du Tamous. Ce dernier front, dirigé par Manou Dayak, est la seule faction avec laquelle des contacts sont maintenus et ont évolué par l'intermédiation française. L'absence à Ouagadougou des deux autres fronts, malgré leur observation tacite de la trêve, s'explique à en croire le ministre national, entendu ce matin par le Parlement, par un geste inamical de l'Algérie qui les abrite. D'ailleurs, notification a été faite par le gouvernement à l'ambassadeur algérien dans notre pays. A tout cela vient s'ajouter ce que notre consoeur RFI, Radio France Internationale, a appelé aujourd'hui la fin de la médiation, qui n'est en fait, selon des sources informées, un remodelage du dispositif technique français de facilitation, lequel dispositif évolue en fonction des circonstances et des modalités pratiques sur le terrain. L'on pourrait alors parler d'allègement. Aussi, la volonté renouvelée du gouvernement de privilégier une solution négociée à la rébellion armée constitue-t-elle aujourd'hui le seul facteur encourageant dans la recherche de la paix définitive dans cette région du pays? Gageons qu'elle soit perçue comme un facteur générateur d'apaisement et de disponibilité à négocier.
À l'Assemblée nationale, les travaux de la session budgétaire suivent. Aujourd'hui, les parlementaires ont entendu 4 membres du gouvernement. Le ministre de la Défense nationale, celui de la Santé publique, le ministre de la Communication et celui de l'Hydraulique et de l'Environnement. Plusieurs questions d'intérêt national ont été débattues. Elles ont trait à la rébellion, la situation sanitaire, la couverture médiatique et l'approvisionnement en eau de certaines zones du pays. Compte rendu Mohamed Fima. En plénière aujourd'hui, les députés ont procédé à l'audition de 4 ministres qui ont répondu à leur interpellation. Connaître monter sur l'arbre est également une bonne chose, mais se connaître soi-même est encore mieux. Quoi de plus éducatif qu'un musée pour le rappeler très souvent. Fin de citation. Signé général de brigade Amadou Toumani Touré. Le président Amadou Toumani Touré, son homologue nigérien, le président Ali Seibou, ont parrainé cet après-midi la cérémonie d'installation officielle de Jardès Niger. Notez que pour l'occasion, ont également fait le déplacement de Niamey les présidents de Jardès Afrique, maître Alao Sadikou Ayo, et Jardès Togo, le docteur Salami Ganeyou. Nous y reviendrons en détail dans notre édition de demain. C'est la fin de celle-ci. Retrouvez en fin de programme Moustapha Tino pour d'autres nouvelles. Merci de votre attention. Bonne fin de soirée sur Télé Sahel. La vie belle. Il y a qui qu'à soi de sa boule et duka. Au car à carfafa, à même qu'un coup de sa boule la vie belle. Deux journaux avant de vous dire au revoir. Voilà d'abord le journal en foulfoulé avec Ousmane Abdou. Bandirabe yobe tele kuri djam hir hemodum kibaruji men andani andan ko hore djoodi meden Mohamed Ousmane ke woni ko djuro gollirde kawjide risku kajjuɗe du filla risku nder leydi meɗen e sériyaji mawɗi hakika o yettoyke nokkure wiyetede contribution diverse e fa hannden nokkure hawjide desa mara leydi meɗen o yettoyke direction générale mo douane nder leydi meɗen
lati do yetto yike du gollirde mudon tawade e gala diyam e jippode lanaji piroji e to yiranibe har bawde den debi tawda hakika handen oni to biten assalamu alaikum jawalan en Le dernier élément de notre programme, c'est le dernier journal de la soirée. Nous retrouvons à la présentation de cette édition Moustapha Tina. Mesdames et Messieurs, bonsoir. La France continue à marquer sa disponibilité à aider le Niger dans la recherche d'un dialogue avec les rebelles, malgré le report de deux dernières réunions prévues entre les factions rebelles, le gouvernement nigérien et les facilitateurs algériens et français. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué repris par l'AFP. L'AFP qui annonce également que la cellule de liaison mise en place il y a trois mois avec le concours de la France pour faciliter le dialogue a cessé au moins provisoirement ses activités. Le dossier de la rébellion armée a été au centre des travaux en plénière de l'Assemblée nationale qui a entendu le ministre de la Défense nationale. Tahirou Amadou a donné l'assurance aux parlementaires que les forces armées nigériennes occupent toutes leurs positions dans le nord et aucune partie du territoire national actuellement inaccessible. Le ministre de la Défense nationale a précisé que l'armée s'est redéployée vers le sud de la région d'Iférouane pour protéger les populations en proie aux exactions de la rébellion. L'encerclement de la montagne de Tigal n'est pas opportun, a-t-il expliqué. La France a accordé une aide financière de 125 millions de francs CFA dans le cadre du projet d'appui au développement culturel. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Compte rendu de Gambodouna. Ce projet initié en 1980 a pour objectif le développement de la lecture publique dans notre pays par l'installation ou l'amélioration de bibliothèques dans les... Ça, c'est des joueurs qui partiront en retraite anticipée, etc., etc. La seule consolation, c'est que quoi qu'il arrive en 98, la France, pays organisateur, sera présente. Mais si l'on ne va pas en Amérique, que sera alors le football français devenu? Alors, comme dit l'autre, dans la série, ça va sans dire, mais ça va en 10 ans, allez la France. Et malheureusement, c'est le scénario catastrophe qui s'est produit pour la France. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette dernière édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Voilà, mesdames, messieurs, le programme de ce soir est à présent terminé. Celui de demain vous sera présenté par Lucienne Zalagou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en début de week-end. Bonne nuit, au revoir. We'll be right back.
Soufflez-vous, Niger, de vous, que la terre est